Le jeu en qualité ultra est plutôt beau, hein. Et mon PC arrive à le faire tourner, donc c'est cool. Allez, on va l'aider. Tu vas en faire une vidéo? Ouais, tout à Allez, fait. Hein. les 5, La j'accorde. rediff sera sur YouTube, donc ce sera pas une vidéo, on va dire, montée avec, je sais pas, des effets, des cuts, etc. et tout. Je pense que je mettrai la rediffusion telle quelle pour que les personnes qui n'étaient pas présentes sur le stream, si ça intéresse, qu'ils voient ça. Et après, les autres sessions Jacob, allez en Du haut, let's prends play, ton sac. Kathleen pardon, reprend The le cours de Query, je le série. continuerai sur Twitch et je le posterai à chaque fois sur YouTube. Vous, je prends les sacs, c'est ça, là, je crois. Peut-être les sacs qu'il y a sur le côté, non? Et du coup, si tu regardes la vidéo, bon, après, c'est une vidéo qui sera longue, il y a des vidéos d'une heure, mais après, c'est des vidéos de let's play, hein, donc c'est normal. Si tu regardes la vidéo, tu verras un petit peu les choix que j'ai fait au début. Et putain, je regrette, mon pote, hein, je regrette. Hein. Jacob, allez en haut, prendre sac. Kathleen reprendre le cours de sa vie. Ah, je dois aller en haut prendre les sacs. Où ça, là-haut, là-haut, là? Excuse-moi, j'avais pas entendu en fait. Hein. Je parlais en même temps. Excusez-moi, ma petite dame. On peut rentrer maintenant. Hey, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? En fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, Elle est arrête. cassée. Dylan, non. Je peux pas, Il me c'est... reste des sacs à Je sais pas descendre, ce qui se passe, sérieux. ils ont l'air d'être chauds les deux là. Dylan, arrête. Peut-être faire des vidéos de 30-40 minutes, non. Une heure, c'est peut-être un peu long. Cool, merci Bah, Lulu. je sais pas, en vrai, j'avoue, c'est long. Mais, ah, moi, après que je cut la rediff en deux et que je la poste en plusieurs fois, ouais, pourquoi pas. Hein. D'un côté, ça me fait plus de contenu aussi. Donc, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois des displays de plus gros youtubeurs ou streamers, des fois, ils gênent pas de poster des vidéos d'une heure. Je sais que quand je suis vraiment déjà fan du streamer, du youtubeur, bah, je prends le temps de regarder. Et quand je suis vraiment Cool. intéressé par le jeu aussi, j'y reste. Mais peut-être, je vais peut-être prendre ton idée de faire des vidéos de 30 et 40 minutes dans un premier temps. Quitte à ce que je demande dans les commentaires aux gens si. Bah, d'ailleurs, dites-le moi, vu que ça sera en rediffusion sur YouTube, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse plus des let's play du coup de ce jeu, The Quarry, sur des formats de vidéos d'une heure ou plus sur des formats de vidéos de 30-40 minutes, où je cut à chaque fois au milieu de ma session de stream. Dites-moi ce que vous préférez, je ferai en sorte de faire comme vous le voulez, il n'y a aucun problème pour moi de mon Ah, côté. l'horreur. Je déteste l'horreur. Je suis comme toi, mon pote, moi j'aime pas tout ce qui est horreur. Hein. Moi, je sais que je décroche facilement. Ouais, après ça, que ça dépend des goûts et des couleurs. Moi, quand je suis vraiment, comme je disais, intéressé par le streamer, le youtubeur ou par le jeu en question, bah moi, je peux rester une heure hein, sans problème et tout. Hein. Mais après, je peux comprendre qu'il y en a qui décrochent facilement. Ouais, je pense entre minutes, bah, je pense ouais, peut-être que je ferai ça. Ouais, pour le premier aspect, je peux peut-être cutter deux fois en 30 minutes. Vu que là, mon live, je l'ai coupé d'ici un petit quart d'heure. Et après, bah, les autres, je verrai si dans les commentaires, j'ai des gens qui me conseillent ou qui me disent ce qui leur plairait eux, et je verrai après ce que je ferai en fonction. Donc, on va essayer de fouiller un peu, parce qu'on est tombé sur la petite dame là tout à l'heure qui nous a dit qu'elle pouvait nous aider. Elle fait flipper, mais elle peut nous aider, donc c'est plutôt cool. Donc, on va essayer de trouver des cartes de voyance, je sais pas trop quoi, parce que c'est ça qu'elle avait l'air d'avoir besoin. Ok, sérieusement, vous avez fermé? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et deux, c'était super Il a l'air marrant. d'être des bouffons, Ah, ok, ouais, surtout c'est lui. très Hein. très marrant. J'y suis pour rien, mec. Ok, laisse tomber, tu m'aides à descendre les sacs ou pas? Après, j'ai dit que maintenant, dans le Bah, prologue, faut que j'ai fait de j'attende la ici merde. que Tu Monsieur reverras si H tu me rende regardes la le vidéo portable, YouTube. désolé. Mais Pourquoi enfin, je pense avoir fait de les la merde. Après, escaliers je suis sont pas bloqués? sûr. Mais là, du coup, Apparemment, oui, je c'est voulais pour faire empêcher les partir dans l'optique ratons de faire crever laveurs personne. Mais ou s'il y en autres a que j'aime vermines de pas, saccager l'étage. C'est on va Monsieur les H faire qui me crever rend vite le fait, ceux que j'aime pas. Hein. portable. On n'aura aucun scrupule. Super! Je peux aller dans la porte là, on va y aller. Hein. C'est toi, Diane? Allez, je récupère des bagages de base. Arrête de me faire chier, c'est déjà en cours, Jacob. Il frise la vite fait, ma foi. Le truc que j'ai du mal, c'est un petit peu à la vue en fin de compte. C'est ça qui est un petit peu, je trouve, un peu bizarre. Mais c'est typique des jeux d'horreur en vrai. Et sous ces putains de bagages que je dois récupérer par contre.
près de la cheminée, non? Il y a un truc là, regardez. Cette baraque est en train de s'effondrer. Oh, oh la vache. Il va tout faire tomber, les cons. On va éviter de trop toucher. Hein. Bon, alors où est-ce que je dois récupérer ces bagages? Ah, c'est peut-être ça là-bas, les sacs là. Est-ce que je vais fouiller d'autres portes ou pas? Je sais pas si je peux aller fouiller d'autres portes. Allez, je tente un petit peu, c'est chiant sur le personnage, on peut pas le faire courir. Du coup, ça peut être un peu longué des fois sur certaines phases. La tempérance. Attends, je pouvais récupérer une carte là. Eh, c'est carte de tarot trouvée. La tempérance, l'équilibre, la modération dans la consommation ou l'excès et la fougue. La tempérance, c'est un choix, mais souvenez-vous que parfois la tempérance apporte la gratification à terme. Il faut être tempéré et être patient, je crois, c'est ça. Hein. De toute façon, je verrai bien avec la voyante de ses morts là. Elle pourra me conseiller, me dire si c'est bien ou pas bien, me donner des astuces, des indices, ma foi. Un peu vidéo par ici. Hein. Ici. Ah, referme donc la porte, hein, rien à voir. Ok, donc on a bien fait de fouiller un petit peu, on a quand même trouvé une carte. Du coup, je pense que juste dernière porte que je vais tenter, après je récupère les bagages, on va pas trop perdre de temps. Après, je sais pas si de loin ils mettent quand même, genre s'il y a une petite interaction à faire. Genre la porte là, ils mettent rien, donc ouais, je peux rien faire. Celle-ci, je crois qu'on avait vu qu'on pouvait rien faire non plus. Et là-bas, en soi, j'ai pas été voir dans le couloir. Juste voir dans le couloir vite fait, après je récupère la bagagerie. On peut voir debout dans le couloir. Ouais, que dalle. Tout ça pour rien, ma foi. On va récupérer les bagages maintenant. L'autre, elle était pas aimable dehors, donc là, je pense qu'elle m'attend de pied ferme. Du coup, les partent en fin de compte. Non, je sais pas, j'ai pas trop capté. Voir, de toute façon, on risque de comprendre un peu mieux l'histoire. C'est bon, j'ai les sacs. Cool, et t'as fait ça tout seul. J'aime bien, elle a l'air d'avoir un sacré caractère et tout, mais elle a l'air d'être sympa. J'hallucine, t'es sans pitié. Bah, au moins, je suis honnête. Ah, ok. Pareil, le gars avec la casquette à l'envers, en gros, je sais pas, j'ai l'air de bien aimer. L'histoire avec Emma, je me trompe. Défensif, taquin, et toi alors? Ah, je sais pas comment je serai à sa place, parce que le mec là il veut pécho une meuf, ou peut-être que ça s'est pas fait, ou peut-être qu'il veut pas l'avouer et tout. Donc sur sa place, est-ce que je serai en mode occupe-toi de ton cul, en mode occupe-toi de tes affaires, regarde pas ce que dans les affaires des autres quoi. Ou taquin, et toi et alors machin. Vas-y, peut-être taquin. Ah hein. D'accord, alors maintenant c'est moi qui raconte pas toute l'histoire. Hein. En et plus il a l'air d'être un petit rigolo en vrai. Taquin direct pour détendre l'atmosphère. Ah ouais, t'as pas tort. C'est vrai qu'elle est un petit peu tendue et tout. Non. T'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux en vrai, les deux là, je les aime bien. Elle a d'avoir un sacré caractère et tout, je sais pas, j'aime bien. Qui marche pas du tout sur moi. Et même ta casquette à l'envers, là, d'être gaulerie, c'est cool. T'as faut que j'écoute par contre, un complaisant, je le savais. Malicieux, sexy. Et je serais chaud pour un petit malicieux. Allez, je parle là-dessus. Ah, sexy, hein? C'est le plus beau gosse du camp. Ouais, si tu le dis. Écoute, les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan, moi bien sûr, puis Dylan, Emma, Abby, okay. Nick, ensuite Monsieur H et... Ok, c'est bon, tu veux bien abréger? Merci. Et après, ouais, du coup, dans les personnes qu'on a vues pour l'instant, les deux qui sont dans la baraque, je sais pas, il y a deux petits... Alors elle t'a juste cassos et tout. Ça. Donc bon, j'aime okay. pas.
Et le Elle mec était il en est solo mode, avec ses comment ça écouteurs et pourrait tout. marcher entre nous? On va voir Différentes un peu comment il facs, se comporte, comment blablabla. il est, Et de etc. mon et tout, côté, mais il j'étais peut être cool, plutôt, à voir. peut-être à distance, blablabla. Et elle m'a fait genre... Jacob! Elle t'a fait le regard. Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça? Peut-être que ça me plaît. C'était qu'une amourette. En soi, ils se sont rencontrés en colo, truc comme ça, donc en soi, c'est une amourette, je pense qu'il en reverra et tout, tu vois. Et résigné, peut-être que ça me plaît et tout. Je sais pas. Alors, on va pas dire sur le côté courageux en vrai, parce que je pense que je serais comme ça, un petit peu l'orgueil en mode c'est qu'une amourette, tranquille et tout, alors qu'au fond de toi, tu sais, t'as le seum. Non mais franchement, sérieux, elle a pas tort, avoue. C'était juste une aventure pendant les vacances. Qu'est-ce que j'aurais pu espérer Voilà, de pendant plus? les vacances et tout. Voyons. Amour, stabilité, engagement, mariage, maison, enfant, maîtresse, Elle rigolerie, enfant, j'aime bien. divorce, solitude, droit de J'aime un peu visite, moins bien. Là. pension alimentaire. Réconciliation surprise, maison vide, retraite, petit-fils, petite-fille, petit-fils, maison de retraite, et pour finir... Mourir dans les bras l'un de l'autre et être enterrés côte à côte comme ces squelettes vieux de 1000 ans qu'on a retrouvés à Rome. Je suis pas trop loin du compte? Oh merde, désolé, c'était Ryan et moi. Laisse-moi voir. Ah, J'aime bien j'ai trouvé. comment Toi, aller et ça tout. dit juste plan cul. En fait, c'est juste une liste générique pour tous les mecs. Ah. Ouais, c'est pas faux. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce Kathleen vieux n'est tas de pas ferraille convaincue. peut rouler? Jette un œil. Il y a Ouais, intérêt. j'ai peut-être mal Parce joué. qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé, hey, ce qui ne te tue pas te rend plus Bof, fort. regarde, toi je t'ai pas tué. Encore. Mais t'es toujours aussi nul. Hé, hey, lâche-moi. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu C'est serais un chaud, parfait Satan. enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Je vois le truc venir, on va passer Jacob, une nuit de plus t'es ici, bien ce serait conscient la nuit que de trop. même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, sa décision est prise. Ouais. Il va le faire quand même, il va faire un choix de merde. On verra bien ce que ça donne. Ah là j'ai pas le choix, faut que je fasse l'un des deux. Du coup sûr on passe une nuit ici en fin de compte. Couper l'arrivée de carburant, prendre le doigt d'allumeur. Ah, je sais pas pour toi, mais moi je pense que... Ah attends, en vrai couper l'arrivée de carburant, je suis peut-être trop égard, je pensais qu'il allait couper le tuyau, mais c'est peut-être juste tourner une valve. Et en soi, super rapide à renclencher si c'est la merde et qu'il faut se barrer vite, tu vois. Mais si c'est vraiment coupé dans le sens coupé, bah là, t'es niqué en vrai pour réparer, il faut changer tout le tuyau et tout, c'est grave chiant. Et prendre le doigt d'allumeur, si ça part dans l'optique qui s'est coupé le tuyau, c'est peut-être plus rapide à réinstaller, etc. et tout. Mais si on part dans l'optique que c'est juste couper et ouvrir un robinet, à contrario, du coup, réinstaller un doigt d'allumeur, un petit peu chaud patate. Ah, je sais pas. J'ai pas écouté encore. Je sais pas si elle disait couper en mode. Il me semble qu'elle a dit couper le tuyau. Hein. Je crois qu'elle a dit couper le tuyau. Je prends le doigt d'allumeur comme elle a dit qu'il fallait soulever le petit capot noir, le remettre, etc. et tout, machin. Ah, j'ai peur de faire un choix de merde. À mon côté, un petit peu vite fait mécanique et tout. Pour moi, couper l'arrivée du carburant, c'est juste une petite valve, quoi. Enfin, oui, une petite valve que tu. Un petit robinet, quoi. Mais s'il coupe carrément le tuyau, c'est. Ça botte vraiment le truc. Vas-y, je me tente. Oh, ça a l'air important. Attends, attends, qu'est-ce qu'il fait là? Je te remets à ta place demain sans faute, ok? Je te le promets. Ah, mais il est con, putain.
Hey, les gars, De couper l'arrivée. là-haut. Ah, j'ai peut-être fait un On mauvais choix. dirait Celui-là, qu'il il nous a reste rushé quelque le chose. tuyau. Hey, Du coup, il Jacob, fait. non, mec, Il a non, fait non, tomber mais de pas ça l'essence. longue. Oh, Et ça se trouve, on va Nick! plus du tout avoir le. Putain, faut que je fasse un QTH. Alors, on va peut-être plus du tout avoir le plein d'essence. Wow. Et on pourra pas partir Allez! rapidement, du coup. Las, bien joué, Taré. Oh. Hey, dommage que j'ai pas de billets. Taré, je suis entouré de tarés. Oh, enfin. Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos Tu te portables. remets jamais en question, en Qui fait. récupère les tels, en vrai ça c'est cool, ceci on passe une nuit de plus, c'est la Franchement, merde, vous qu'on a plus devriez d'essence à garder cause de la du mauvais batterie choix que pour les j'ai cas fait et tout. d'urgence. Bah À comme il moins, bien dit. sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim! C'est un petit con lui, même le gars. Ouais t'as gassé ta gueule pauvre con. Ou être un peu amical mais mesquin, genre au moins moi j'ai conclu tu vois. Après, de dire moi j'ai conclu peut être en mode ouais mais t'as vu enfin les résultats au bout du compte genre t'as pas conclu grand chose quoi. Après agacé tu vois le mec lui il est costaud en vrai par rapport à l'autre genre il pourrait s'imposer en mode de lui faire fermer sa gueule un peu. Mais moi je pense que je Ok, ferais mais ça tu moi au vois. moins j'ai eu une relation amoureuse cet été. Waouh, quelle répartie! Ouais, ben peut-être qu'on cherche pas à tous des coups d'un Ok, soir, ok? c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir? Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des Ouais. fois, t'en sais plus que moi. Et je Ouais, repense encore au ben, coup de la je sais même voiture, hein. pas Je sais pas quoi si j'ai répondre fait à le bon ça. choix. Hein. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Le jeu il est prenant quand même, tu vois. J'ai envie de le continuer et tout, de le poncer, voir ce qui va se passer, la fin, machin. Mais d'un côté, j'ai pas ce de toute la nuit non plus. Hein. Voilà, mon jeu sur les plans de coupe comme ça, beau soleil, beaucoup de luminosité, il a du mal à suivre. Ça lague un peu. Hein. Une nuit blanche directe, peut-être pas quand même. Quand même demain il y a le boulot et tout, hein, faut être vaillant. Mais je pense qu'il est 22h09, j'attends la cinématique là, je me balade un peu et je vais arrêter là vers 22h20, un truc comme ça. Demain ça va dormir au bureau. Un carnage. Non, en plus demain j'ai beaucoup de taf qui m'attend donc c'est pas le moment de déconner. Hein. Coucou vieux hibou. Alors on en est où? Les gamins ont enfin Elle c'est ma foutu le préf camp. là. Top là, en haut. Je le dis, je le dis. On n'a pas loupé. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Oh, fais chier. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire Péter réussir à la ouvrir cette porte. putain de porte et prendre nos sacs. Pas rentrer en effraction en vrai, attends. Mais laisser des sacs, c'est quelque chose d'important dedans qui pourrait nous être utile pour la suite. Après, c'est le début, je pense pas qu'il y ait besoin de choses importantes. On Tu va laisser les déconnes là? sacs. Ça s'appelle entrer par effraction. Non, ça s'appelle récupérer ce qui nous appartient. Pourquoi on va pas voir Monsieur Hackett pour lui demander de nous ouvrir? Abby, sérieux, nos affaires sont à 1 mètre de nous. Désolée. Non. Dès qu'on arrive au chalet, on trouve Monsieur Hackett et on lui demande pour nos bagages. Soit. Emma. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais faire un tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Fais-toi plaisir. Je pense à autre chose du coup, ma tête. Et j'oublie ce que je devais faire. Faut que je fasse un tour et j'ai pas entendu ce qu'elle allait faire l'autre meuf là. Celle que j'aime bien, si elle allait partir chercher le mec du coup. Là, le jeu il est joli hein. Faut qu'il est putain de bien fait en vrai. Hein.
Alors, on va voir dans les autres baraques, des fois, s'il y a des portes ouvertes, si on peut récupérer des trucs. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle veut connaître l'intérieur aussi. Ça va me faire bizarre de pas être réveillée par les annonces de Dylan. Ah bah, elle a regretté sa colo, j'ai l'impression. Elle a passé des bons moments. Une petite musique vite fait intrigante. Hein. Ouais, on peut aller vers là-bas, perdre de temps, je pense. Je pense qu'on va regarder vite fait de chaque maison et je vais arrêter le stream là, voir s'il n'y a pas des petits trucs à récupérer. Donc ça, c'est la maison qu'on doit récupérer nos affaires, donc on retournera la voir vraiment en tout dernier. Là, c'est bien, je peux semi-courir, je peux faire une marche rapide dans le milieu. J'ai hâte qu'il y ait des rebondissements. Mais écoute, pour l'instant, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment le début, je pense, la mise en bouche, si je puis me permettre. Et là où qu'il y ait un petit peu de rebondissements, on va dire, sur ce stream, c'est au début, durant le prologue, pour mettre un petit peu dans l'action et pour te montrer un peu le mood du jeu. Je pense qu'ils te mettent des choses enfin, plus palpitantes, tu vois, en termes de choix, etc. Et en y repensant, tu vois, j'ai encore la haine, putain, des choix que j'ai fait là. Ah, je regrette, hein. Je regrette. Je me demande, tu vois, genre, si les choix du prologue, si c'est si ça a des conséquences, pardon, sur le let's play après du jeu en lui-même. C'est plus de l'exploration. Bah là, écoute, ouais, pour le moment, ouais, de l'exploration. Après, en soi, je suis pas obligé de, ça se trouve, de faire tout ce que je fais. Hein. Je trouve que c'est une perte de temps phénoménale. Mais dans le prologue, à un moment, on voit une meuf, une vieille, tu verras si tu regardes la rediff. Qui nous explique un petit peu qu'il faut trouver des. Ah, il y a un mec là-bas. Qu'il faut trouver des cartes de voyance, quelque chose comme ça, pour. Non, des cartes de tarot, pardon. Pour qu'elles puissent nous aider des fois à trouver notre chemin et tout. Bon, je pense que ça peut être pas mal, tu vois. C'est peut-être éviter de faire des choix couillons et tout. Donc là, je peux rien faire aussi, j'ai l'impression. Ok, bon, on a déjà fait tout un côté de patelin. J'ai peur d'aller voir le mec au tracteur tout de suite là. Non, c'est pas un tracteur, putain, c'est une voiture de golf, je trouve, les gars. On va aller voir la grande bâtisse. Ça prend son temps pour marcher. Bon, en même temps, dans la vraie vie, j'avoue, genre, t'as sa place, tu vas pas courir. Et si on veut faire un jeu vraiment un peu qui soit fidèle à la réalité. Je comprends qu'ils aient fait un gameplay comme ça ou que genre vraiment tu marchouilles quoi, hein, tu trottines. Allez, on va faire vite fait toutes les maisons là, regarder près de l'arbre principal, se tirer en voiture de mini-golf. Et ce sera pas mal. Pour l'instant, vous avez un beau gameplay à regarder, c'est des beaux graphismes et tout et tout. Je peux pas aller vers la piscine, je crois pas, il me semble que j'ai vu une chaîne. Après, en retournant vers le grand arbre et en descendant la voiture de mini-golf, si tu veux, j'irai retourner voir vite fait. Si je peux y aller. Mais je crois pas, il me semble. Après, j'avoue. Ah, il y a un truc là. J'ai bien fait de regarder le parcours du coup. Dylan va pas apprécier que les petits les laissés là. J'en parlerai à Chris quand je le verrai. Ah, mais elle le laisse là, nom de Dieu. On peut pas le reprendre? On peut pas le reprendre, très bien. Alors, voyons voir. Il ne reste plus que deux maisons à vérifier, celle d'à côté et celle de base où on devait récupérer les affaires. Peut-être qu'il y a un petit truc qu'on peut checker quand même. Par un malentendu, elle a mal chiqué la porte. Je crois que c'est Emma, la meuf, qui est partie. Hein. Enfin, en fin de compte, c'était ouvert. Why not? On va regarder ça tout de suite. Alors, bah, du coup, on n'en peut vraiment rien faire. Hein. Je suis revenu pour rien. Là-bas, en vrai, je pense que j'ai tout fouillé. Dans mon côté perfectionniste, putain, il me dit de regarder de tous les côtés, quoi.
Mais pas le temps, sinon après, on fait que marcher, hein, et c'est Walk Simulator après, hein. Alors là, il y a un petit truc. Là, c'est le nom des gens. Ouh, j'espère que Jacob n'a rien vu. Ah, son nom, il est rayé, putain. Jacob, je sais plus c'est qui déjà. On a trouvé une fiole. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est à Dylan? La vérité ailleurs, c'est du popper, c'est un truc comme ça se trouve. Miskine, les machins. Je vais vite faire regarder du coup les indices. Déjà, chemin. Laura n'a pas aidé Max quand elle a été attaquée dans le sous-sol. Je peux pas cliquer. Ouais, ça du coup, c'est le truc du prologue. Laura a été honnête avec le policier pour l'accident de voiture, ouais. Donc c'est là qu'en fin de compte que j'ai pris des choix décisifs. Je pense que Jacob a coupé l'arrivée de carburant quand il s'abattait le minivan. A bêché de ne pas aider Emma à se trouver dans le cabanon. Donc ça, je pense que c'est tous les choix qui sont un peu, on va dire, fatidiques. Que j'ai fait pour l'instant. Indice, du coup. Cage brisée. Indice de la fête foraine. Et histoire des raquettes, histoire du camp. Ce collier ensanglanté semble trop grand pour un chien qui appellerait son chien l'âne en plus. Ou Yann. C'était peut-être vraiment un mec qu'on avait vu dans le prologue. Enregistrement de l'hymne du camp, enregistrement de l'hymne du camp de raquettes, Scary. La technologie a évolué, mais la chanson est toujours la même, ouais. Ok, j'ai pas un truc par rapport à la mini-fiole. Ah, c'est une preuve, je crois, attends. Fiole vide. Une fiole vide et l'odeur désagréable. Ouais, je pense que ça pourra nous servir. Et quand? Donc là, on est dans le cabanon. Et ça, c'est le camp lui-même. Chalet du camp, du coup, il y a Ryan. C'est celui qui est discret. Nick. Dylan, c'est celui que j'aime pas. Jacob, du coup, c'est celui que j'aime bien. Et Kathleen, j'aime bien aussi pour le moment. Et cabanon, du coup, il y a Emma, j'aime bien. Et Abigail, quelque chose comme ça. Elle a l'air d'être sympa. Et carte de tarot, du coup, on a trouvé une carte pour... Pour la meuf qui nous expliquera quand on ira la voir. Sur l'arbre, on peut pas encore voir autre chose. Ok. Oh, les panneaux, qu'est-ce que ça raconte? Je peux pas voir les panneaux. Et voilà. Et après, du coup, j'oublie pas, je vais aller checker la piscine hein, vite fait, comme tu m'as dit. Enfin, si on peut y aller. Ok, c'est juste qu'on est loin de tout, quoi. On est perdu, mais il n'y a rien de spécial. Enfin, ça met les grandes villes, quoi, qui est à proximité. Ok, donc rien de spécial. Et voyons voir la piscina. Après, je peux peut-être faire le tour par là-bas aussi. J'ai cru voir un trou dans le grillage. Après, je crois que je peux pas sauter en vrai dans le jeu. C'est enfin la faire escalader ou truc comme ça. Donc là, tu vois, il y a une chaîne. Et là, en effet, tous les grillages ont des trous. Mais je peux pas, tu vois, la faire passer, quoi. Je peux pas voir mes touches à 6 paramètres. Là, d'ailleurs, bah, du coup, vu que tu fais un petit peu du stream et tu t'es tout. J'ai fait freeze le jeu. Non, c'est bon. Clavier souris. Non, j'ai pas de touche shotée ou truc comme ça. Toi qui suis un petit peu, dis-moi ce que t'en penses. En vrai, pour le jeu, je peux mettre. Je peux pas le régler là, mais si je veux, je peux mettre un filtre genre cinématographique, soit style vieux film d'horreur sur le jeu. Je peux mettre un filtre aussi style années 80, des choses comme ça. Ça peut être sympa. Là, j'ai vraiment mis le truc d'origine, histoire de qu'on ait vraiment le ressenti de base. Du coup, je peux pas y aller à hein, la piscine. Je peux pas y aller, je peux pas y aller. Après, il faut tester. Ouais, je pense que j'aimerais bien tester hors stream, mais je me dis si je teste hors stream, bah, j'avance un petit peu dans le jeu. Donc en soi, je peux pas vraiment. Donc après, la version de base, au moins, c'est l'authentique et tout, quoi. Ah, je pensais que c'était un mec d'ailleurs de loin, mais en fait, c'était juste Emma qui nous attendait. Prête à y aller?
Perplexe, pas encore, enthousiasme, en vrai on a tout vu donc en vrai Allons-y. allons-y hein. Je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus dans le coin. Hein. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si rayonnante, agaçante, sûre de toi? Oh, c'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Là, je suis en train de kiffer le jeu en vrai. Les jeux peuvent faire des choix comme tu ça et tout, et c'est vraiment trop trop t'as cool. T'as savoir que tu pourrais impressionner. Non, c'est trop tard de toute façon. Pourquoi? Toi et après, Annie, tout ce qui est. T'en sauras jamais rien si t'essaies pas. Je après en soi, je suis pas fan. Donc, au moment du prologue, et de moi, je faisais putain, laisse pas. Putain, j'ai eu peur. Ah, faut que je reste vraiment sur la sur les touches. Hein. Joli coup de volant. La trouille. C'était quoi ce route des caillasses? Ok, donc, hypothétiquement. T'as déjà joué à The Last of Us? Non, du tout. Et si jamais ça à première vue, le jeu a l'air d'être beau, enfin cool en tant que des bons retours. Mais je sais pas, je me suis jamais donné la déter de tester. Pourquoi tu le quittes? C'était l'été. Après, de soi, de base, je suis pas trop jeu narratif comme ça et tout, mais. Il comprend. Bien sûr. Les jeux pouvaient faire des choix, je sais pas si c'est différent, c'est cool, je trouve. Ça, tu t'es vraiment à fond dans le truc, tu dis putain là j'ai merdé à cause de ça le mec il est mort ou à cause de ça putain on est bloqué ici, tu vois, je sais pas, c'est beaucoup plus impactant, tu vois, tu sens plus de maître du jeu et tout et tout. Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh attends, oh mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi? Allez, une balade. Un dernier tour triomphal autour du camp. Oh, fait quoi? Belvédère. Retour au chalet. Est-ce qu'on reste raisonnable et retour au chalet direct? Pas de dinguerie, tu vois, avant de partir, hein, faudrait pas qu'il nous arrive une couille. Ou est-ce que, genre, on fait un dernier tour autour du camp en mode nostalgique, on revoit vite fait les derniers lieux et tout? En jeu, en termes de choix, il y a Détroit. Tu connais, bah je connais que de nom. Mais après, pareil, hein, j'ai jamais testé, jamais joué et tout. Moi, par rapport à The Last of Us, en plus, je connais que de nom, mais j'ai jamais vu de gameplay. Que The Last of Us, je crois que j'avais regardé un let's play, mais peut-être du premier, il me semble. Non, The Last of Us, peut-être que je confonds. C'est un jeu avec un mec qui est neuf, hein. Il me semble. Belvédère, peut-être, toi, tu ferais le tour de tout le patelin. Déjà qu'on a esquivé des caillasses, le petit tour du patelin, ça a l'air d'être un chemin qui est pas trop officiel. Hein. On va s'en prendre des caillasses là et avoir des accidents. Bah si tu me réponds ouais par rapport au Last of Us, oui Last of Us, c'est avec un mec et une meuf qui est plus jeune, enfin, une adolescente ou une enfant, un truc comme ça. En effet, je vois et je crois que j'avais regardé un let's play du premier jeu. Et ça m'avait plutôt bien plu, mais vu que j'avais regardé le let's play, je m'étais dit bah ça sert à rien d'acheter le jeu. En soi, vu que je l'ai un peu oublié. Pourquoi pas? Bon, écoute, je t'écoute, hein. On fait Belvédère, hein. J'espère que. Deux mois sans technologie. Ah, je vais rester sur les touches, j'espère qu'il n'y a pas de dinguerie. Hein. Moi j'ai bien aimé faire une pause. Sinon. Oh, pas moi. Bah, tu vas voir. Tu vas m'entendre parler. Hein. Tu vas entendre parler de moi. Hein. On est. Putain, j'ai pas écouté. On aime le goût du risque, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il ferait sans toi? Bienveillante, je te crois. Putain, il racontait quoi? Je sais pas si t'as entendu. Écouter, moi je parle en même temps aussi, donc t'as peut-être pas entendu non plus. Qu'est-ce qu'il ferait sans toi? Ou on est bienveillante, elle a l'air d'être toute gentille. Elle, Abigail, a l'air d'être toute gentille. Abby, on va lui mettre bienveillance. Tu sais quoi? Ouais, je sais pas du tout. Bon, on va bien croire. Abby, est-ce que c'était un compliment? Ton charme est contagieux. Attends, faut le sous les touches, que putain. Je suis en mode cinématique et tout, mais à tout moment, il y a un QTH là, ou je sais pas comment on appelle ça, non, un QTE, pardon. Tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. La Sainte Trinité. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. The fuck. Mon coin préféré? Le feu de camp? Non, l'île. Elle est grave isolée, non? On n'y va pas hein, sur l'île. Hein. C'est de la fumée? On le signale aux autres? On va mettre ta cam entre les deux choix. Il a ah, ça masque un choix. Ça... Seigneur Dieu, Sainte Marie, Jésus. Des vieux trucs avant, dites-moi pas que c'est pas vrai. Fermer le camp pour la rentrée. Ouais.
En parlant de ça, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Alors comme ça, à peu près. T'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Mm-hmm. Putain, le Tout con. Le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Merci pour l'info, hein, mon chef. Qui t'attend? Les autres? Goose? Pareil? On voit pas le choix du deuxième, merde, c'est con. Ouais, parfait, je pense, moi. Attends, ça craint, ça, comme vu. Du coup, sur cette putain d'île, c'était déjà pas mal creepy, l'île au loin. Il y avait un putain de feu ou je ne sais quoi au loin. Il y a un mec qui les observait de loin par la fenêtre. L'écran noir, il dure un petit peu longtemps. Ah, c'est bon. Mais t'es dit tout de même. T'inquiète, Jacob. Compte sur moi. Je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Ah merde, mon jeu est frisé. Ah, bolos. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans. Un peu bégueu au niveau des phrases et tout. Oh, c'est là, c'était pas mal. Je suis pas sûr, hein, mec, parce que là, attends, j'essaie d'écouter en même temps ce qu'ils disent. Bref, mais je crois qu'ils essayent. Tirer un peu de jus à Monsieur H avant de. Je crois qu'ils essaient de les joindre. Genre Emma et Abby pour savoir où est-ce qu'ils sont et elles se bougent pas le cul et tout, tu vois. Ah bah non, ils sont là, j'ai rien dit, excuse-moi. Hé, hey Nick. Où vous étiez? Oh, t'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Au final, le BVDR, c'était pas mal, en effet, ouais, du coup, t'as peut-être raison. Monsieur H avait déjà verrouillé la porte. Pourquoi? À cause des ours? On a pu voir qu'il y avait un feu de camp, que l'île s'est plus du cul, quoi. Perplexe, vous ne pouviez pas forcer la porte? Sarcastique, les ours, c'est chiant. Sarcastique, c'est pas cool en vrai pour Jacob, je crois qu'il s'appelle. Parce qu'il veut pécho la meuf, Emma, là. Donc si on se fout de sa gueule en mode les ours, c'est chiant, etc. et tout. On ne parle pas vers Léo, le collègue. Hein. Et perplexe, vous ne pouviez pas forcer la porte, ça va. Elle va dire bah, c'est de la faute d'Abby, etc. et tout, mais bon. Ouais, je mettrais perplexe, moi. Vous pouviez pas défoncer la porte? Ouais, perplexe, tu vois, alors si aussi. Si Dylan pense que ça aurait été une bonne idée, ça confirme qu'on a fait le bon choix. Ah, voilà, parfait. Ouh. Ah. Ça, c'est bien. Bien placé, la petite habille. Hein. J'adore mes idées. Quelqu'un sait où est Ryan? Il doit être dans son coin. Ah, Ryan, en train c'est de solitaire du noir, groupe, c'est tout. C'est mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous? T'étais en train de te toucher? Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais. Il a l'air d'être cool, Ryan. Tu vois Kian posé dans son coin, il fait chier à personne, il est pas mauvais comme type. Ça parle de quoi, protecteur? Et ils veulent se pécho, les deux, ou quoi, les deux gars, là? Occupe-toi de ton cul en mode ça le regarde pas, il fait ce qu'il veut. Amical, ça parle de moi, ça fait un peu trop en mode lèche et tout, je te rentre dedans et tout. Hein. Protecteur. Je crois que ça s'appelle Comment s'occuper de son cul, tu devrais l'écouter. De fantôme. De fantôme. Ouais, enfin. Ça serait bien dans son personnage d'avoir répondu ça en vrai. Zoologie, en fait. Mais l'épisode que j'écoutais, il parlait de ce lieu. Ah, mais ouais, c'est ce que t'as raconté au gamin l'autre fois autour du feu de camp. La folle de Hackett Squarry. Ouais. C'est qui la folle de Hackett Squarry? J'ai pas envie de savoir c'est qui, moi. Tu connais pas la folle de Hackett Squarry? Sinon, je demande pas à Bill. Faut que je reste sur des trucs aussi un QTH, je pense jamais. Lui de la folle de Hackett Squarry? Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squarry? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois. À la recherche de son petit garçon. C'est vrai, hein. On l'a vu dans le prologue, on l'a vu cette femme. Des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer, ou... Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squarry. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant.
défensive, tu peux proposer mieux. Vous auriez vu les gamins. Pas tant qu'il soit trop conflictuel aussi entre tous, tu vois, parce que sinon ça va peut-être être galère pour l'entraide après quand ça va être la merde. On va faire bienveillant. Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp. Pas rentrer dans l'agressivité. Sans déconner. Ouais, enfin, pas pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux. C'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, bah on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le camp d'ici. On serait parti si on avait pu récupérer nos sacs. Pardon ? Vous avez bien dit tout de suite, monsieur H. On y va, monsieur H. Pardon, monsieur Hackett, mais nos sacs... Ouais. On peut-être pas les récupérer. On fait notre max pour y aller, mais Ryan essaie de nous foutre la trouille avec ses histoires de fantômes débiles. Ok. Je pense que ça suffit comme ça. C'est quoi encore ces histoires de fantômes ? La F2HQ. La folle de Hackett Squarry, j'allais juste... Ah, nom de Dieu, Ryan. C'est vous qui avez la clé, monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hey, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Il n'y aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Comprensif, agacé, ce n'est pas juste et tout. Je sais pas, moi je suis un petit miskin, je vais dire compréhensif, hein, on va pas le faire chier, impossible. Ok, bah d'accord, bah, je mettrai pas de musique, hein, tant pis. Hein. Après, je sais pas trop leur vécu, tu vois, si monsieur H et tout, on pouvait s'amuser à être un petit peu mesquin avec lui, en mode on peut lui répondre et que ça passe et tout. Je sais pas, on n'a pas suivi leur avant, tu vois. Ouais, compréhensif. Hein. Cool, ok. Pas de soucis. Tant mieux. T'inquiète, je te filerai un écouteur. Je les arrange, les deux. On pourra se partager un écouteur. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré, au moins. Non, c'est juste, vous savez, le rat. À propos de cette histoire avec... Je veux pas payer trop de l'exciter, le rat est discret, rapide, minute, intelligent, il va falloir que je réponde. Ah, très ouais. Proche de l'homme, ma foi. Ah, ça me fera toujours trop rire, ça. Allô ? Ah, est-ce qu'on fait quoi ? On espionne ou pas ? Ou écouter le podcast. Écouter le podcast, on pourra peut-être avoir des infos en vrai sur la meuf, la légende qui traîne dans les bois et tout. Ça pourra toujours être utile peut-être pour apprendre, je sais pas, des trucs qui s'est peut-être passé en vrai et que du coup faudra pas qu'on reproduise dans le jeu. Et espionner, c'est peut-être bien pour avoir des infos sur le gars parce que il a l'air d'être louche, tu vois, pas très amical comme gars de Kodo, pour récupérer des clés, il a besoin de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait aussi de suspect? Ah oui, pour brancher le téléphone. Le rat, le mec qui veut pas, vite fait, ça coûte quoi, tu vois? L'espionner, je pense. Mais t'imagines, un espion, on se fait choper. Eh, je te jure, ça fait trop réfléchir à des trucs, hein. Vas-y, j'espionne. Ah, c'est pour le feu, ça se trouve. C'est pas trop les pousser, sinon, Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps. Non, je devrais ? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Oh, le pire, on va rester une nuit de plus, du coup, ça pue la merde, là, ce qui se passe dans le coin. Pardon, j'étais pas...
Je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... T'as une idée sur nous. J'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand. Bien. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. En plus, il s'enfonce en plus à dire j'écoutais pas et tout. Il n'a l'air de rien, quoi. Je peux vous aider à retrouver les clés? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais. Enfin, bref. Qu'est-ce que tu me disais? Oh, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus? Parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. À côté, il a pas tort. D'un côté, on dirait qu'il s'en bat les couilles. Je pense qu'on va dire préoccupé, est-ce que tout va bien? Parce que frustré, c'est très important pour moi. Ensuite, il vient juste de lancer la discussion et tout. Je suis curieux, le mec, il a l'air d'être space, tu vois. Vous êtes sûr que ça va? Après, ça peut faire. Ce soir. Ça peut faire style qu'on écoute, qu'il écoute aux portes, lui. Si tu savais. Ryan, tu devais t'assurer que tout le monde soit prêt. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment d'autorité. Alors il va falloir que tu t'imposes, mon grand. Je sais, mais... Merde, plus le temps d'aller chercher leur sac. Ah bon? Mais ça m'étonnerait que les filles acceptent. On les fera envoyer dans quelques jours. Et... Pourquoi on a plus le temps? Je peux vous aider? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux? Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. On va faire désolé, je me rendais pas compte en vrai. Pardon, j'avais pas réalisé. Ça se comprend en vrai. Si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Le gars, maintenant, je commence à bien aimer. Chante Kumbaya la prochaine fois, ok? C'est quoi? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. En vrai, je vais dire curieux, pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on soit à l'abri? Après, il peut dire juste pour vous mettre en sécurité, que vous ne rentreriez pas la nuit, machin, et trucs comme ça, mais bon. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu curieux. Pourquoi? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Enfin, qu'est-ce que j'avais dit? Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Ça se tient. Donne-moi une minute. Nom de Dieu, mais où sont ces clés? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie pour moi? Je les ai pas vus partir. Ah, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kylie... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Oh. Allez, en route. On va récupérer les affaires.
pense dès que la cinématique est finie qu'on Assure-toi doit reprendre... Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Je vais m'arrêter là. C'est un petit film, tu vois, qu'on suit en même temps comme jeu, c'est trop cool. Hey, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant de... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux, parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos C'est vies. Le minivan qu'on a saboté. Allez, hein. En route. Ah oh, putain, attends, on a fait de la merde. Hé, hey, et nos sacs alors? Ah, Emma, je vais devoir vous les envoyer par la poste. C'est mort, matin. Non, je partirai pas sans... Je crains que tu n'aies pas le choix. Allez, Jacob, démarre. C'est quoi le problème? Ah, bah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi? Assez. Arrêtez tous les deux. Ben, Jacob, je sais pas si je l'aime trop bien. Eh, mais doucement. Il y a un petit côté provocateur et tout, hein. Écartez-vous tous, vite, vite, vite. Ah, ça va prendre feu à cause du truc de l'essence, putain. Arrête-toi, stop! Je m'en occupe! Hé hey, oh! Mec, je voulais juste t'aider! J'ai fait le mauvais choix. Ok. Bon ben, okay. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On a qu'à passer la nuit ici? Non! 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 Arrête! Je réfléchis. Il a l'air d'être sympa en vrai quand même le gars, il veut pas qu'on ait, il nous arrive des dingueries et tout, tu vois, genre il veut qu'on se tire. Ah ok. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi? Ouais, c'est vrai. C'est pour qu'on se traîne les QTH là, enfin les QTE là plutôt. Hé, hey, Ryan, viens ici une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne, compris? Il n'y a pas de problème, mon commandant. Pas de problème là-dessus, Je comptez sur moi. Je reviens à la première heure, et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre? Bah, conciliant, je te promets, en vrai, si tu me dis ça, je sais pas, il a l'air trop suspect. Sérieusement et tout, j'ai pas envie de s'en savoir plus. Le conciliant, on pourrait se barrer avec lui. Genre, si on est en mode sérieusement et tout. De toute façon, le jeu ne nous fera pas nous barrer, hein. Faut qu'on subisse l'histoire. Hein. Ok. Personne dehors. T'es un bon gars. Ferme les portes. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut qu'on s'enferme. Et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma. Oh, il a l'air d'être lourd, c'est en fait, Jacob. C'est une putain de blague. On est censé faire quoi? Ben, on devrait rentrer, faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou on pourrait faire complètement autre chose. J'ai plus les instructions. Non, non, non. Pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non?
Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. C'est pas le bon plan, ça. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme... comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Il a l'air de flipper, il s'inquiétait juste pour nous. Bah, en vrai, de leur dire qu'il avait l'air de flipper, c'est encore plus impactant, en mode il y avait quelque chose, quoi. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec, vas-y, une dernière fois. Ouais. Mais... il n'en saura rien. J'ai promis. Non, mec. Bon, écoute, allez. Je pense que je vais m'arrêter là, de toute façon, là, pour le stream, quand même. Attends, c'est quoi? En fait, le groupe commence, c'est la suite réelle.